qu'est-ce que je ferais pas pour vous. Allez, on est arrivé. Bon, bah, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va faire un petit comparatif et un petit test entre la DJI Osmo Action, qui est là, et la GoPro Hero 7, qui est là, la Black. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Bon, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va se faire un petit comparatif. On va surtout parler un petit peu de ces deux superbes petites caméras. Parce que ouais, franchement, elles sont top. Elles ont des différences, c'est clair, elles ont des différences. Et même certaines qui sont flagrantes, on va le voir dans cette vidéo. J'ai voulu voir un petit peu les avantages, les inconvénients de chacune. Et donc pour ça, on va faire quelques comparatifs, vous allez voir, dans cette vidéo. On va comparer déjà, bien sûr, la clarté des images, la netteté, le rendu des couleurs. Donc je peux tout de suite vous dire que là-dessus, bam, la GoPro va prendre un point d'avance sur la DJI Osmo Action, c'est sûr. Le rendu des couleurs sans avoir fait de retouche. Alors pareil, j'insiste, dans cette vidéo, je vais faire aucune retouche. Oui, je vais les mettre en route, ça vient. Dans cette vidéo, je vais faire aucune retouche, à part une fois dans le montage, quand j'aurai mis les deux caméras sur une voiture, sur la Zombie 8E, pour vraiment faire un vrai test du gyro et de la stabilisation. Donc vous savez que sur la Hero 7, c'est le hyper smooth et sur la Osmo Action, c'est le Rocksteady. Et ben, je peux tout de suite vous dire que le Rocksteady est 10 fois meilleur que le hyper smooth. Vous allez vous en rendre compte, du moins dans cette application-là, posée sur une voiture RC qui tape. Donc voilà, on va faire plusieurs tests. Donc sur une voiture, on va tester la différence entre les deux stabilisateurs numériques, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi l'Osmo Action est un peu meilleur. Même si c'est aussi un petit défaut qu'elle a, elle est un petit peu meilleure quand même au niveau de la stabilisation. Donc bien sûr, le rendu des couleurs. On verra aussi l'ergonomie. Alors pour l'ergonomie, je vais tout de suite vous dire que pour moi, la Osmo Action passe devant parce qu'on peut faire beaucoup de choses aussi avec la GoPro, que ce soit des ralentis, des timelapses, etc. Mais l'avantage de l'Osmo Action, c'est que ne serait-ce que pour les ralentis, par exemple, vous avez l'accès direct au ralenti, vous mettez le fichier sur votre PC, c'est un ralenti directement, vous le lisez sur la télé, c'est un ralenti aussi. Alors que la GoPro, si vous sortez le fichier que vous avez fait en 240 fps, il va falloir le retravailler pour en faire un ralenti. Ce ne sera pas fait automatiquement. Donc pour les gens qui ne veulent pas retravailler les vidéos, qui ne vont pas sur des tables de montage, la Osmo Action sera bien plus avantageuse à ce niveau là c'est clair. Après, j'ai pas fait le test encore sur un drone, on va bientôt le faire. Tiens, je vais les mettre en route quand même. Tac. Tac. Donc j'aime beaucoup, moi, l'ergonomie de l'Osmo Action. Même si, bon, ça va, la Hero 7, l'écran tactile est propre, fonctionne plutôt bien. Il est un petit peu plus grand sur la Osmo Action, ici. Donc elle était à droite, hein. Si je retourne, elle est à gauche, l'Osmo. Hein. Bon, je vous prends vraiment pour des beugnous. Hein. Donc, ouais, écran tactile un peu plus grand ici. Par contre, hyper réactif sur la Osmo Action. Très réactif aussi, j'ai envie de dire un peu plus réactif sur l'Osmo Action. C'est pas que je la préfère, mais elle est plus réactive, et je le dis, alors c'est peut-être parce qu'il est plus grand, il y a plus de place, allez savoir, je ne sais pas. On va mettre les deux en 4K 30 fps, là c'est bon. La stabilisation est en route sur les deux. On va simplement switcher, ça c'est le gros avantage de l'Osmo Action, c'est qu'on va pouvoir mettre l'écran en façade pour pouvoir se cadrer, et j'envoie la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Alors, j'ai pas mis le D-Warp sur l'Osmo Action, vous savez, pour enlever les arrondis sur les côtés. J'ai laissé les deux en automatique. Donc là, on aura de l'image pure. Le mode couleur, il n'est pas sur le mode où on va faire des retouches. C'est le Cine-like sur une et le GoPro, je sais plus quoi, sur l'autre. Enfin bref, j'ai laissé en automatique et en bonne couleur, de façon à avoir un comparatif. Donc, comme vous le voyez, là, on va rentrer dans un endroit un petit peu plus sombre. Comme vous le voyez, perso, c'est vrai que la GoPro Hero 7 a un léger avantage au niveau du rendu des couleurs. C'est vraiment propre, c'est vraiment magnifique. Hop, je baisse la tête. J'ai l'air d'un coureur. Petite investigation. Nous arrivons sur les ruines du... Non, pas du tout, il n'y a pas de ruines. Donc, vous voyez, le rendu des couleurs
tout de suite, la Hero 7 va prendre un petit point d'avance, selon moi. Vous avez les mêmes yeux, hein, je pense que vous allez le voir. Même si le rendu est très très propre avec la Osmo Action, sans souci. Il y a plein de bestioles par là, hein. C'est relou ça. Hein. Je vais essayer de trouver un petit coin un peu plus sombre pour voir comment réagissent les deux. Donc ouais, gros avantage de l'Osmo Action d'avoir ce petit retour en façade, franchement, pour pouvoir vloguer, pour pouvoir filmer, se filmer avec quelqu'un d'autre. Hop, en mode selfie, c'est vraiment top. Alors pareil, on va pouvoir tester le son. Gros avantage pour la GoPro Hero 7, c'est clair. Je vous mets le son de la GoPro Hero 7. Voilà, faut que je parle, hein, bien sûr. Donc je parle assez fort, je parle assez distinctement, je dérange personne, il n'y a pas de raison que je me gêne. Donc voilà, le rendu du micro de la Hero 7. Là, comme vous le voyez, la caméra est à environ, on va dire, 40-50 cm de moi. Et je ne crie pas non plus, mais je parle distinctement. Donc là, on rentre dans une zone un peu plus foncée. Je pense que l'automatique va faire son travail. On va passer sur le son de la Osmo Action. Voilà, là on est sur le son de la Osmo Action. Je précise que j'ai enlevé le mode réducteur de vent, parce que vous avez un mode réducteur de vent si jamais y a du vent, pour éviter que ça souffle. Donc là, elle a son caisson, et on n'a pas trop de vent ici, on est couvert. Donc voilà le son de la Osmo Action, il est un petit peu en dessous. Donc j'attends impatiemment de pouvoir brancher les micros externes sur ces deux caméras. Parce que je pense que pour l'Osmo Action, c'est tout ce qui lui manque pour devenir la caméra vlog par excellence, sans aucun problème. Allez, on va rentrer dans la forêt noire, sombre et obscure. Enfin, il fait jour en même temps. Hein. Donc ouais, alors on va surtout parler stabilisation. Donc comme je vous disais, j'ai pas encore... Eh, c'est le bordel, hein. Il y a des serpents, il y a des crocodiles. Eh si, je déconne pas, hein, regardez. Enfin, si, je déconne. Mais sympa comme décor. Et là, vous aurez bien le son. Tiens, sans parler, je vais vous remettre le son de la GoPro Hero 7. Je vais rapprocher du sol. Je vais passer sur le son de la Osmo. Et je reviens sur ma caméra casquette. Donc vous avez vu la différence, vous avez entendu la différence. Le son de la GoPro est vraiment mieux. Eh, franchement, deux super petites caméras. Mais j'arrêterai pas de revenir sur l'écran en façade. En fait, le top, c'est d'avoir les deux. Hein. Avec la Osmo, vous savez où vous filmez avec la Hero 7. C'est plutôt sympa. Eh, je vais me perdre. Hein. Par où je suis venu? Par où j'ai pas su? Oh, c'est les cascades. Bon, j'espère que cette petite balade vous fait plaisir. Je vais tout de suite vous mettre un petit time-lapse. Très très court. Parce qu'on peut faire du time-lapse avec les deux. Bien sûr, hop, j'envoie le timelapse. Donc voilà, on peut régler hein, son timelapse, bien sûr. Vous pouvez mettre 3 secondes, 5 secondes, 1 seconde, 10 secondes. C'est à vous de faire ça. On le fait sur les deux. Franchement, les deux ont les mêmes fonctions. Ça bouge. Les deux ont les mêmes fonctionnalités, vous avez autant d'options sur l'une que sur l'autre. Sauf pour l'Osmo Action, je vous ai dit, où vous avez une option ralenti qui filme vraiment au ralenti directement. Pas besoin de retoucher dans un logiciel. Donc, on va parler maintenant stabilisation. Parce que là, c'est le plus important de la vidéo. Donc, vous avez vu déjà l'arrivée en moto. Vous avez vu que ça stabilise plutôt pas mal. On se sera déjà fait une petite idée sur la chose. Eh, vous êtes loin là. Ah, bah là, c'est plus près. Ouais, vous allez dire, il manque ma petite lentille, là. Ah, j'ai fait une cascade avec la voiture et j'ai rayé un petit peu la lentille protectrice. Mais heureusement, c'est une lentille protectrice, donc j'en ai commandé une autre. Mais ça n'empêche pas de se servir de la caméra, sauf sous l'eau, bien sûr. Quand il n'y a plus la lentille, faut pas la mettre sous l'eau. Mais ça fonctionne tout aussi bien, bien sûr, et voire même mieux. Donc c'est parti, je vous montre. Ah oui, juste avant les voitures et la stabilisation, parce que c'est le plus important, je vais vous parler des filtres ND. Ça,
ce genre de choses. Donc moi, c'est des filtres ND à pas cher hein, que j'ai pris sur Banggood. Je vous mettrai tous les liens, bien sûr, dans la description avec les codes promo. Donc les filtres servent à quoi? Ça sert simplement si vous voulez filmer non pas en automatique, mais en manuel avec les caméras. Et l'utilité principale que j'ai trouvée à ces filtres, moi je ne suis pas un photographe, donc je ne veux pas des expositions de malade, je ne veux pas faire des beaux paysages, mais vous pouvez, ça peut servir à ça. Mais l'avantage, je vais simplement vous montrer un truc dans les réglages, je vais couper mes caméras, on se retrouve à l'arrière de l'Osmo Action, et voyez, je vais venir dans les petits paramètres ici, donc là je suis en automatique, donc elle se fait au jour, à la nuit, tout ça, toute seule, et on peut venir en manuel, tout simplement, et ici, quand je filme en manuel, je me mets sur ISO 100, et l'obturateur, je le mets sur le double, toujours, ça c'est une règle à laquelle on ne peut pas faillir, je mets l'obturateur au double de la vitesse à laquelle je filme, c'est-à-dire que là, je suis en 4K 30 fps, donc si je veux filmer, j'adore l'ergonomie de la Osmo, si je veux filmer en manuel, je vais mettre 1/60e, puisque je suis en 30 fps, je vais mettre en 1/60e, ici, et un ISO de 100. Voilà, et comme vous le voyez, je suis un peu surexposé. On le voit tout de suite à la caméra, hein. J'ai même pas besoin, vous voyez, par rapport à côté, à la GoPro. Et si je prends par exemple un ND8, voilà. Donc là, vous voyez, je suis carrément surexposé, l'image est cramée complètement. Si j'installe le ND8, hop, sur la caméra, vous voyez tout de suite, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Alors après, en fonction de la clarté, vous allez mettre du 8, du 16, du 32, en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc voilà, comment on sert d'un filtre ND, grosso modo, parce que je ne vais pas tout vous expliquer non plus, je vous ai dit, je ne suis pas photographe, mais ça ne sert pas qu'à ça. Donc je vais stopper la vidéo. Donc là où je m'en suis servi surtout, c'est, je vais vous montrer ça tout de suite avec une petite vidéo de drone. Vous savez, là j'ai filmé en 1080p 60fps et si on utilise la fonction automatique avec l'exposition, eh bien voilà ce qu'on a comme vidéo. Regardez, on voit les hélices tourner d'un côté où il n'y a pas le filtre en automatique. Et dès que je mets un filtre et que je mets les réglages que je vous ai montré juste avant avec le filtre ND8, regardez, on ne voit pas du tout les hélices. On a cet effet de flou qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus cinématographique. Et voilà surtout dans quelle utilité je vais en avoir perso pour filmer les drones. C'est bien plus joli avoir un drone comme ça pour des effets de flou. Alors pareil, hein, si vous filmez à grande vitesse le long d'une route, vous aurez un effet de flou cinématographique. Alors que sinon, si vous êtes en automatique, vous aurez que des pixels. Si vous faites stop, si vous faites pause dans la vidéo, tout va être clair, tout va être net, il n'y aura pas d'effet de flou. Pareil, si vous filmez de l'eau en mouvement, avec ce réglage et un filtre ND8, vous allez avoir un joli flou sur la surface de l'eau, au lieu d'avoir tout prédécoupé. Il va pleuvoir, je coupe et je reviens. Il pleut. Ah, bon, ça y est, ça s'est calmé. Dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est donc la stabilisation. Je vous ai dit, je l'ai monté sur la Zombie 8E, donc pareil, avec ce même montage-là. Voilà, ces deux parties-là étaient fixées sur l'arrière de la voiture. Donc les deux sont exactement positionnées de la même façon. Si une prend une secousse, la deuxième prend la même secousse. Donc il n'y a pas de trucage, hein. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais jamais fait de test poussé encore comme ça avec les deux. Je trouvais l'hyper smooth de la GoPro super fiable. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste vous montrer une chose. Et vous allez comprendre pourquoi la DJI Osmo Action a cette faculté de pouvoir stabiliser de cette façon-là. Regardez, vous voyez les deux écrans. Donc là, on est obligé de montrer comme ça, hein. Je ne peux pas faire autrement. Je vais me mettre un peu plus dans la pénombritude. Vous verrez certainement mieux. Donc là, vous voyez les deux écrans, j'imagine. Regardez, je vais passer la main devant. Regardez la latence qu'il y a sur la DJI Osmo Action. Donc on dit ça peut gêner. Voyez. Sur la GoPro, c'est instantané. Sur la Osmo Action, il y a un moment de latence. C'est ce qui lui permet de calculer, justement, et de pouvoir stabiliser numériquement encore mieux que la Hero Session 7. Sans... Waouh, la belle moto. Encore mieux que la Hero Session 7. J'ai été super surpris quand j'ai vu les images retour de ce petit montage. Donc, je vous le mets tout de suite. Voilà un montage avec les deux caméras sur l'arrière de la Zombie 8E. On va se faire une petite balade. Je vous laisse apprécier. Je vous ai dit juste à un moment, je vous le marque dans la vidéo, j'ai apporté des modifications de couleurs sur la DJI Osmo pour voir si on pouvait améliorer un petit peu. Et on peut, bien sûr, ceux qui touchent un peu au logiciel le savent, on peut faire ce qu'on veut un petit peu avec les vidéos. Donc c'est parti, je vous envoie la vidéo et on en parle juste après. Let's go!
Donc les amis, voilà, vous avez compris, vous l'avez vu par vous-même, c'est assez énorme la différence entre le Rocksteady de la Osmo Action, et je vous ai dit, c'est à cause de ça qu'on a cette petite latence sur le retour vidéo, parce que la caméra calcule beaucoup de choses. Et on voit qu'à côté, la GoPro a un petit peu galéré sur des moments hyper choquants. On a l'impression qu'il n'y a même pas le stabilisateur. Après, tout le monde n'en aura pas cette utilisation-là. Si on fait un test normal de stabilisation, même en courant un peu, hein, vous savez que je ne suis pas un fan de course, je vais allonger la perche, comme ça il va vraiment y avoir de la secousse au bout. Hop, voilà. Donc, on peut secouer déjà, hein, voir ce que ça donne. Voilà, c'est bien secoué, secouez-moi. Si je me fais une petite course dans la forêt noire, sombre et obscure, hop, esquivation de la branchette. Oh non, c'est bon, et je cours pas plus que ça. Donc voilà, vous aurez vu, la stabilisation fonctionne super bien sur ces deux caméras, mais en position extrême, genre sur une voiture comme vous l'avez vu là, la DJI Osmo Action, beaucoup plus costaud que la Hero 7. Maintenant, l'aéro a certainement d'autres avantages. Il faut que je teste sur un drone. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ma petite préférence va à la Osmo Action pour différentes raisons. Je vous ai dit, l'écran en façade, le ralenti automatique dans la caméra par 8, la stabilisation de malade. Et l'ergonomie, j'aime bien l'ergonomie, je parle pas de la qualité, parce que la qualité est bonne sur les deux, il n'y a pas de souci. Donc pour l'écran en façade, pour la lentille changeable en cas de rayure, comme ça m'est arrivé sur la voiture, pour l'ergonomie, pour la stabilisation, je préfère l'Osmo Action. Pour la qualité des images, pour le rendu du son, je préfère la GoPro Hero 7, il n'y a pas de souci. Voilà, donc faites votre choix en fonction de ce que vous voulez, en fonction de ce que vous avez à filmer, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc voilà, tous les liens sont dans la description. Le petit concours est encore en route jusqu'à samedi, jusqu'à vendredi. Samedi, je donne les résultats. Et dans la vidéo de samedi, le big concours avec le big cadeau à gagner de mon cher Nanar, si tu me permets de t'appeler Nanar. Yep, les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, déjà, merci de votre soutien. Merci de liker si vous avez aimé la vidéo. Je vais me casser la gueule. Merci de partager si vous avez des amis. Ça peut arriver. Et sinon, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire réellement, comment on dit déjà? Ah ouais. Portez-vous bien et à bientôt dans mes vidéos. Et ciao ciao !